dans la dernière série globale F1. Nous allons faire un bilan de cette 2013-2014 avec Olivier Brunier. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, parlez plus fort parce que j'ai rien entendu. Ça va très bien, Jean-Luc, merci. Merci. Vous avez prévu quoi pour les vacances? Pas grand chose. Beaucoup de repos avant tout. Oui, beaucoup, monsieur. Oui, oui, oui. Que vous n'avez pas mérité, mais c'est pas grave. Bah oui. Dicker sera notre invité, là il reviendra dans quelques instants. Enfin, il viendra dans quelques instants plutôt, je ne sais pas où il est parti. Je crois qu'il est parti aux toilettes. Dans cette première partie, nous allons donc faire le bilan de tous les championnats. Et on va tout de suite commencer avec le championnat F1 et Aurélien, qui est double champion. Olivier Brunard, c'est une saison qui n'a pas été aussi serrée que l'année passée. Oui, vous avez raison de le signaler. Jean-Lib, une saison, ouais, on va pas dire qu'elle était ennuyante, mais on l'a vite senti qu'elle allait tourner à l'avantage d'Aurélien dès le début. Donc, sans surprise, merci Thierry Adam de me couper. Sans surprise, elle a duré ce qu'elle a duré. Et elle s'est terminée où ça? À Abu Dhabi ou à Austin? À Abu Dhabi. Austin. Elle s'est terminée à Austin, tout simplement, avec du bonheur et peu de suspense, mais une belle saison quand même, hein, mais rien à voir avec l'année dernière où ça avait été fabuleux jusqu'au bout. Quoi. Une belle saison puisqu'il y a eu plus de concurrence. Oui, plus de concurrence. Rafa qui était au niveau, Fargas, Lib à partir du premier tiers du championnat, Baldas, Aaron par intermittence, voilà. Il y a quand même eu de belles choses, hein, mais pas pour le titre, on va dire. Pas pour le titre, ni pour le titre constructeur d'ailleurs, ce qui est dommage. Et l'an prochain, on peut s'attendre par contre à une belle lutte. Tout à fait, l'année prochaine, l'année de tous les changements. Avec un Aurélien qui, je pense, même si le challenge sera intéressant, sera un peu démotivé. À mon avis, il y a quelque chose à faire l'année prochaine. On aura peut-être un nouveau champion, je pense. Hein, pour l'instant, personne n'a encore été titré plus de trois fois, plus de deux fois. Tout à fait, tout à fait. Chronique deux fois, Athéno une fois et Aurélien deux fois. C'est exactement ça. Ce sera vite fait pour le bilan, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 15 minutes dans cette première partie. Tout à fait. On passe au GP2, où ouais. Telmas a été champion devant un ticker irrégulier. Ce championnat, personnellement. Peut-être que Dicker était un poil plus rapide que Delmas, mais Delmas beaucoup plus régulier que Dicker. Dicker était peut-être un peu plus rapide sur certains circuits, et encore. Je trouve que c'était vraiment kiff-kiff. Hein, Mais attaque pas maintenant, le tour est long, bordel. Excusez-moi. Oui, surtout ce qui pèse dans la balance, c'était les trois abandons de Dicker. Des abandons où il a pris au total donc 20 points, hein, sur ses abandons, c'est pas des zéros pointés, mais c'est seulement 20. Ça évidemment, ça coûte cher quand de l'autre côté il n'y en a eu absolument aucune absence, aucune déconnexion pour Delmas. Une saison tout à fait linéaire. Et Chris aurait pu se mêler à la bataille pour le titre s'il n'avait pas abandonné le championnat pendant 6 courses. Ça, c'est très dommage. Et puis voilà, après bah, Cédric, Conos, Mas, Johan qui ont été les plus assidus et après bah, le GP2 malheureusement qui a subi beaucoup d'aller et venus pendant la saison, quoi. Le GP2 qui partait sur des bonnes bases à Melbourne et bah, les trois premières courses, ouais. On a vite perdu du monde et c'est bien dommage. C'est dommage. Greg Fébo qui nous rejoint, bonsoir. Bonsoir Jean-Yves Boncé, bonsoir Oli Brognard. Bonsoir. Une voix bizarre. Guttural. À signaler que Greg Fébourg est très mauvais à duel quiz puisqu'il n'a que des défaites. En plus, c'est pas moi, c'est un peu de me battre. Quels seront les gros titres de vos chroniques, mon cher? Donc, dans cette chronique, nous reviendrons sur le bilan de cette saison GP3. Donc, nous parlerons de la lutte pour le titre, les révélations ainsi que les déceptions de ce championnat. Olivier Brunier, pas trop fâché qui vous ait pris votre double au choix? Bah quoi? Pas trop fâché? De? Bah, top et flop, il va faire ça. Ah non, mais aucun problème. Il est très partageur. Bon, allez, c'est parti. Oui, je partage tout. Donc, ce qu'on peut dire sur la lutte pour le titre, c'est que l'équipe Mercedes était imbattable.
Sur les trois premiers Grands Prix, il a été la seule à marquer le plus de points. C'était le cas 8 fois durant la saison, contre 5 pour Marussia qui a fini deuxième du championnat. On peut dire que Monsieur Brown a conduit une belle voiture avant de partir à la retraite pour l'équipe Mercedes. Du côté des pilotes, Mas fut le premier pilote à mener ce nouveau championnat, qui est le GT3. Suite à son départ, on y reviendra dans les révélations. Honda de chez Lotus va le remplacer chez Mercedes. À ce moment-là, ils seront quatre à se disputer pour le titre, Sharp, Blonda, Chris et Ricky. À la mi-saison, avant de partir en grandes vacances, où on ferme les usines, où les mécanos peuvent aussi se reposer, nous avons donc les quatre favoris, donc Blondin qui mène avec 15 points, c'est poursuivant. Mais à la reprise, nouveau coup dur pour la marque à l'étoile qui perd son deuxième pilote. Mercedes décide de continuer avec une seule voiture pour aller chercher les deux titres. En fin de saison, l'étoile s'obscurcit encore un peu plus avec Blondin qui évite d'accrochage consécutif à chaque départ. Cela permet donc à Ricky et Christopher de revenir au contact du Français. Et de compris de la fin, on s'en rappellera, Chris est pénalisé pour avoir coupé beaucoup de virages à Abu Dhabi. Les disqualifiés, l'équipe fait appel. Il perd seulement 7 points, ce qui permet de rester au contact de Ricky et Blondin. 7 points les séparent donc à 2 Grands Prix de la fin. Mais à l'issue bien sûr de ce dénouement, c'est Christopher qui remporte le titre devant Ricky et Blondin. Après 2 saisons, il finit second. L'étiquette de Poulidor peut enfin le quitter. Il est champion du monde. C'est à fond dedans. Quelles sont, selon vous, les révélations de cette saison? Les révélations pour moi, il y en a 3. Il y a d'abord Mas, 3 petits tours, et puis s'en va. 3 courses, 3 victoires, 3 pôles. C'est une 10e place générale. Pour lui, son objectif n'était pas le GP3. Il a préféré partir car pour lui, il faut se battre pour pouvoir progresser. Donc pour lui, c'était mieux d'aller en GP2 car en GP3, il ne se battait pas en piste. La suite, on la connaissait, 4 podiums quand même en GP2, dont une victoire à Monaco. La deuxième révélation de ce championnat est bien évidemment Toreros, le toréador qui a dompté tout le monde. Quoi, le pilote a remporté 3 victoires consécutives, comme un certain Mas en début de saison, et 2 hat-tricks consécutifs. En tout, c'est 5 victoires, 8 podiums, 5 pôles et 3 9e places, mais ça, c'était à cause de problèmes mécaniques sur sa monoplace. La suite, c'est la catégorie F1, normalement la saison prochaine, si tout va bien. Et 2 victoires déjà en intersaison. Là, donc la 3e place, c'est Mathieu, que je dirais qui fait partie aussi des révélations selon moi. Il est passé à la trappe, pardon, non pas à la patte, sans doute par le talent de son coéquipier de Toreros, dont je viens d'en parler. Et Mathieu est rapide, mais un souci. Je trouve qu'il est fougueux, très jeune, fougueux. Donc, ses résultats ne reflètent pas forcément son talent. Il doit se recadrer durant l'hiver. Et à noter qu'il a su faire craquer quand même un candidat au titre. C'était en Inde. Donc, ça, on ne pourra pas le lui enlever. Marcus Winkelhock. C'est ça. Les déceptions maintenant, attention. Déception, j'en ai trouvé 3. Loïc, bien sûr, 4e au premier Grand Prix, disqualifié au second, puis banni pour toute la saison. Je dois remettre son pilotage au goût du jour, s'il veut espérer une carrière en monoplace. Le deuxième pilote que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Atalantus, car le pilote n'était pas dans le coup de toute la saison, très en retrait par rapport au reste du plateau. Il va falloir trouver comment améliorer ça. Et l'autre, bien évidemment, j'ai nommé Shark, le pilote qui est parti du championnat, pas dans les bonnes mémoires de tout le monde. Voilà. Il a modifié son truc parce que j'ai son petit test qu'il a écrit. Ah, tu veux que je le dise? J'ai pas de. Non, ça va, ça va. Ah bon. Ah, oula, oula. Mais bon, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que. Je trouve que c'est plutôt bien résumé, je suis assez d'accord. J'aurais rajouté un flop au risque de donner un petit coup de pied dans la fourmilière, mais bon, c'est important. On parlait de. Oui, alors je voulais rajouter déjà que Christopher l'avait emporté à l'issue de Sao Paulo. Il faut rappeler quand même qu'il l'a emporté grâce à 2 déconnexions successives de Ricky, ça il faut le dire. Et l'étiquette de Poulidor a fait place à une nouvelle étiquette d'un pilote prêt à tout pour gagner. Et il s'est pas fait que des copains. Moi le premier en tout cas. Et je voulais le dire. Et c'est dommage en tout cas qu'il ait gagné comme ça.
sans aucun scrupule et avec très peu de modestie. Ça, c'est très 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 dommage. Voilà. C'est que les scrupules, on peut en avoir pour être champion. Non, mais on peut quand même être un peu modeste dans la victoire, surtout avec les circonstances qu'il y a eu. Et il a Oui, manqué de beaucoup de modestie, d'humilité et de respect envers ces deux, trois adversaires qu'il avait en plus soutenus à Abu Dhabi. C'est ça qui est extraordinaire. Donc vraiment, c'est plus qu'un flop, c'est un carton rouge pour moi. Mais bon, comme ça. On peut rien y faire. alors, Quelle c'est pour émission! terminer pour cette première partie d'émission. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie. Il y aura du sport. Ah. Tout de suite.